Bonjour et bienvenue à l'atelier Cultura. Nous allons partager avec vous les techniques essentielles pour bien commencer à créer et à modeler avec l'argile autodurcissante. Pour bien modeler à l'argile autodurcissante, vous aurez besoin d'un plan de travail en bois, d'argile autodurcissante de différentes couleurs, de mirettes, d'ébauchoirs, d'outils de coupe, d'une estèque, d'éponge et de pinceau, d'un rouleau et d'emporte-pièce. Je coupe ma terre avec le fil à couper. Pour une surface homogène, je place de chaque côté deux planchettes de même épaisseur, puis j'aplatis la terre avec le rouleau. Si la terre a un peu séché, on peut l'humidifier avant de la modeler. Je peux créer des empreintes avec par exemple un feuillage ou un apron en dentelle. Je coupe mon motif avec le cutter. Je peux créer des pièces décoratives avec des emporte-pièces. Une éponge humidifiée m'aide à lisser la terre. Les mirettes permettent de retirer la terre ou de la texturer. Je peux aussi créer des effets et des empreintes avec les ébauchoirs. Cette argile s'autodurcit à l'air, donc pas besoin de cuisson. Elle sèche entre 1 et 4 jours. Voilà, vous connaissez maintenant les techniques essentielles liées au modelage de l'argile autodurcissante. Donc allez-y, lancez-vous et n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager vos créations sur Cultura Créa, la communauté.